Aidez-moi, oh, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, mon plaît. Mon bras, j'ai un problème de bras, pardonnez, aidez-moi, s'il vous plaît. Pardon, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Pardon, pardon. Ah, merci, 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 oh, mon bras, mon bras, mon bras, mon bras, mon bras. Je souffre, aidez-moi s'il vous plaît. Tu veux couper le bras? Oui, ils ont dit 2000 euros pour me couper. C'est trop, je n'ai pas cette somme. Pourquoi les médecins de ce pays sont trop chers comme ça? Aidez-moi, vous allez m'aider? Je vais t'aider. Oh, merci beaucoup. Je vais t'aider. Dieu vous bénisse. Rentre dans la voiture. Je rentre, oui. Je rentre, merci. 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 Merci, hein. Ah. Tu es déjà au bétail. On va régler Dieu ça. Dieu va vous bénir. Ce que le bras est en train de me faire. C'est que j'ai vu la situation là une fois au Nigeria. Ah bon? Si tu vois le monsieur, le bras lui crée beaucoup de problèmes. Ah bon? Et c'est le même bras qui a de problèmes avec le monsieur. Ah! Il arrive des moments où ce bras-là oui? frappe des gens en désordre sans que lui-même ne veut pas. Le bras, il avait frappé comme ça. C'est ça. Là où tu es maintenant, le bras va commencer à voler. Ah! Quand tu passes à côté des gens là, ça. Le bras là va rentrer dans la porte des gens et voler. Ah. Et ce qui est encore plus le plus mauvais, oui. Ce bras va frapper des policiers, hey. Des commandants, hey. Un général, yeah. Un caporal. Yeah. Dieu des on va te tuer hey. Sans raison. Ah. Donc ce bras, on doit enlever ça. Ils ont dit à l'hôpital qu'on doit enlever ce bras. Il était là à dire ça, non? On doit enlever, papa. Pas de problème, mon frère. 2000 euros pour enlever ce bras. Un seul bras, c'est pas les deux. Un seul. 2000 euros. Seigneur. Heureusement, vous êtes là pour me sauver. Je vais te sauver, mon frère. Ah! Bon, viens monter sur la table et les bonnes choses vont commencer. Je vais t'opérer. Je vais enlever ce bras. Ce salopard, ce voleur, ce bandit de bras. Qui te gêne là? Je vais enlever ça. Je crois que vous voulez me donner l'argent là. L'argent de quoi? Enlever. Tu dis que le bras te gêne, non? Oui, mais ils ont dit 2000 euros. Attends. D'abord, je me présente. On m'appelle Éléphant Mouillé. Je suis un grand docteur. Je suis un docteur Cooper. Ah. Oui, oui. Et tu connais bien l'hôpital Saint-Camille d'Agoné. Oui. Oui. D'Afoyan. Oui. J'étais major dans cet hôpital. Et vous voyez, mais leur politique ne me plaît pas. C'est pourquoi je suis venu en France. Ah. Pour montrer mon talent, ce que je sais faire. Moi, que tu vois comme ça, là, je coupe les pieds. Ah. Je coupe les orteils. Ah. Je coupe les jambes. Hey. Je coupe les oreilles. Ton bras, on doit couper ton bras, sinon, ce que je suis en train de voir, parce que je vois que le bras en fait, est 1, 2, 3. Tu as quel âge? 22 ans. 22 ans, ça fait 22 fois 3, ça fait 66. 66. Si je coupe le bras maintenant, à l'âge de 66 ans, tu vas mourir. Ah! Hey, mais là, le bras, là, tu seras tranquille. Ah! 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 Ça ne va pas te faire mal. Papa. Hein? Le bras est là, le bras revient. Le bras est revenu. Il ne faut pas que le bras revienne. Mais le bras est revenu. Il ne faut pas que le bras revienne. Sinon, c'est grave. Comment c'est grave? Et je dis, c'est grave. Je n'ai plus de problème, le bras est déjà revenu. Tu as des problèmes. Le bras qui commence à faire du mal comme ça, si on ne coupe pas, en fait, tu vas devenir un braqueur. Pas, je blague. Comme je vous ai vu, je me suis dit, le vieux là, il aura l'argent. Donc je vais le balader un peu, jouer le mendiant et prendre un peu d'argent. Ça veut dire que le bras n'a pas de problème. Non, le bras n'a pas de problème. Regardez, c'est déjà vu, le bras n'a pas de problème. Le bras n'a pas de problème. Donc je vais demander à partir. Merci. Non, attends, tu vas partir. Tu veux être mendiant, non? Oui. On va enlever le bras. Là, ça va devenir un bon boulot pour toi. Là, si on enlève le bras, là, tu seras tranquille pour demander de l'argent que tu veux. Là où tu es maintenant, tu es en train de pécher comme Dieu. Il faut qu'on enlève le bras. Ah, je ne veux plus être mendiant. Tu veux faire quoi? Je veux être maître d'études. Non, tu es quoi? Maître d'études. Mais avec un seul bras, tu peux garder le crêpe, la crêpe. Mais pour utiliser la règle et que... Mon fils, je suis pressé. Papa. Je suis pressé. Pardon. Monte sur la table. Je vais revenir. Je dis... Ah! Dieu t'a coupé! Monte sur la table.